créer un malaise. Parce que les gens disent c'est un peu raciste. Moi, ma mère est vietnamienne, je peux faire, mais les blagues des pires sur les Asiatiques, personne ne me dira jamais rien parce que même si quelqu'un est choqué, je pourrais dire ma mère est vietnamienne. Et là, elle dit, ah oui, t'as... Ça se voit d'ailleurs. Ouais, je te dis, ça, je suis un peu mal. C'est assez choquant. Sur les chemins de Compostelle. C'est un guide. Je peux pas écrire comment draguer la musulmane, comment draguer la musulmane sur le chemin de la Mecque. Voilà. Pourquoi? Parce que je connais rien. Mais c'est dans la culture. Moi, je suis cadeau. Tu peux t'amuser. Alors, on peut le faire, mais souvent on me reproche. Il y a un petit truc à desserrer. Ah non, c'est. Moi, je ne connais pas. Ils m'ont tout cassé. Sur scène qui serait impossible à la télé parce que la télé c'est plus familial, etc. C'est juste que d'un seul coup le sujet on fait plus gaffe parce que d'un seul coup c'est vrai que Touche pas mon poste est devenu une émission assez familiale. Ouais. Moi je pense plus aux enfants qui regardent qu'à autre chose, mais il n'y a pas de censure. Et franchement, on montre tous les soirs, Cyril a fait péter pas mal de verrous. Oui, parce qu'en fait, finalement, votre public de la salle, vous le connaissez, il est sous vos yeux. Le public de la télé, c'est un inconnu. Des mômes de 8-9 ans qui regardent ça. Exactement. Donc, on essaie de garder des limites, mais notamment dans les questions qui attirent, je montre des trucs. Même mes enfants, des fois, ils se disent je suis content qu'ils comprennent pas tout. C'est vrai? Jean-Luc Lemoine, vous restez avec nous. Le grand oral des GG continue. Le spectacle, si vous avez manqué le début, c'est à l'Apollo. Ensuite, il y aura la Cigale. Sur votre site, on retrouve toutes les dates. Ouais, et puis après, on tournait dans toute la France, Belgique et Suisse. Et on va parler dans un instant quand même de cette émission, là, quand même. Il y a des choses à dire dessus, puis on continuera de parler de l'actu avec vous. Jean-Luc Lemoine, passe le grand oral des GG. RMC, jusqu'à 13h, les grandes gueules. RMC, Brigitte Lahaye. Chaque jour, je vous retrouve sur RMC à 14h et vous le savez, je ne suis jamais seule. Le psychiatre J.D. Nasio. J'adore venir chez Lahaye L'Amour parce que vous êtes une formidable sexologue. Vous répondez avec du bon sens, avec de l'expérience et ça aide les gens. Touche chez Brigitte, Lahaye L'Amour et vous, 14h, 16h sur RMC. Chiron. La fin d'année s'annonce? Pétillante avec Géant Casino. Jusqu'à mercredi, Géant Casino vous offre moins 30% en bon d'achat sur tous les champagnes. Idéal pour accompagner vos menus de réveillon. Le champagne à moins 30%, c'est Géant. Un petit bouton, hein. Appuie sur les deux machins. Voir conditions d'utilisation des bons d'achat dans votre magasin Géant. Réussir son réveillon, mode d'emploi. Alors, il vous faut une belle place. Une bande d'amis ou toute la famille réunie, les blagues de Tonton Gérard et de la bonne musique. Les quatre
cimetière, vous connaissez la rubrique de Jean-Luc Lemoyne, à l'Apollo, à la Cigale, et puis en tournée dans toute la France, ce sera le show. Si vous avez manqué le début, petit extrait. J'en profite pour rétablir une vérité. On a malheureusement tendance à dire que le racisme antinain est moins grave que les autres. C'est faux. Il est juste moins dangereux. Ah. Bah, je sais pas, les gens ils changent de voix, mais il n'y a pas de. Non, tu vas tout droit, Jean-Luc Lemoyne, sur scène, l'Apollo, la Cigale, en tournée à travers toute la France. Et donc, on a entendu le générique de Touche pas mon poste. Alors là, Touche pas mon poste, c'est. C'est Paris, c'est la jungle. C'est la bête, Cyril Hanouna, je dis la bête parce que c'est une bête média, parce qu'il faut tenir la scène, le direct, comme il le fait, avec toute votre équipe. Il sait aussi bien s'entourer. Mais alors, Gérard, vous êtes tous Cyril Hanouna dépendants, vous, maintenant, aujourd'hui, Jean-Luc Lemoyne et les chroniqueurs. Non, c'est sûr qu'on travaille beaucoup avec Cyril et que grâce à lui, on chôme pas, mais ouais, bah, justement, sur mon spectacle, Cyril n'a rien à voir là-dedans et je trouve que c'est important, justement, d'avoir des choses à côté. Ouais, ouais, mais c'est parce que quand tu dis Cyril Hanouna dépendant, c'était à la télé. C'est parce que quand la dernière fois vous êtes venu voir les grandes gueules, vous aviez dit je ne vais pas faire de vieux os à la télé, j'y suis allé par gourmandise, et c'est vrai que tenir seul avec un concept aujourd'hui, c'est devenu vachement difficile. Ah, c'est compliqué d'un seul coup, vous voyez. Moi, j'ai vu la différence entre passer de chroniqueur comme je l'étais chez Ruquier et à passer en première ligne. Quand j'avais fait une émission l'été qui était très bien passée, la Minute Palmoine, ça allait parce que c'était une émission d'été, quand je me suis pris le bureau des plaintes en pleine tranche parce que j'étais leader, là c'est compliqué, vous vous apercevez qu'il y a des intérêts, qu'il y a un marché d'animateurs principaux et que pour rentrer dedans, c'est comment ça, il y a des intérêts, un marché, ça veut dire quoi? Parce que. Il y a des zones protégées dans lesquelles il est difficile d'aller. Oui, il y a peu de cases et donc les gens qui sont en place veulent maintenir leur position. Bah, c'est normal. C'est tout à fait normal, c'est logique. Dans toutes les professions, c'est pareil. Et d'un seul coup, il faut être prêt à aller au fight aussi pour s'imposer. Moi, bêtement, je me disais que j'avais juste envie de faire une émission sympa. Et ça, c'est pas suffisant, il faut prendre des coups. Et Cyril, c'est vrai qu'il a une réussite extrême, mais je le vois, c'est quelqu'un qui a pas peur d'aller au combat et aussi de défendre ses positions. C'est un boulot à temps plein, quoi. Et ça veut dire que vous-même, vous, en seul, vous n'avez pas la carte ou le bon réseau. Ça, la Samaritaine, c'est moche, oui, j'en avais parlé. C'est une horreur. On vous laisse passer quelques émissions, ce qui peut arriver à certains, alors que vous, ça ne vous arrivera pas, c'est ça? Le truc, aujourd'hui, vous n'êtes pas suffisamment tête d'affiche, suffisamment connu. Non, c'est pas ça, mais moi je sais que je fais beaucoup d'efforts pour imposer mes spectacles et des choses perso, et je suis prêt à aller au combat, mais c'est vrai dans toutes les professions. Pour arriver à quelque chose, il faut vraiment accepter de se prendre des coups. Sur scène, j'ai aucun souci à ça. Voilà. Par contre, en télé, je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai la flamme pour me battre assez pour ça? Franchement, je suis pas sûr. Voilà. Donc j'ai trouvé ma place avec Cyril. Peut-être que je reviendrai à des émissions où je serai un peu plus leader. Mais c'est pas de contre. Quand Michel Drucker sera parti, par exemple, tu. Il partira jamais, Michel. Ah, oui, il partira jamais. Non, mais parce que je vous dis, vous passez dans une autre cour, quoi. Une autre Ils ont mis du verre, ils ont enlevé les trucs moches. Moi, je me suis rendu compte que j'étais très protégé en tant que chroniqueur quand je suis passé. Voilà, ils ont mis du verre. C'est plus facile. C'est là qu'il y avait les cadenas partout. Avec Cyril Hanouna, franchement. J'ai mis des plaques de bois par un moment. Quelques personnalités qui passent dans l'émission, que vous étriez dans l'émission, notamment Laurent Bronac aussi. Moi, des fois, on voit tous passer par en bas. C'est gratuit en plus. Ils prennent plaisir à démolir pour le plaisir de démolir. Non, mais alors ça, ils se trompent complètement, il n'y a jamais de plaisir. Le problème, c'est que je pense que c'est tombé dans le dérapage, tiens d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit récemment, Laurent Bronac. Non, mais je comprends qu'il soit affecté, parce que c'est vrai que l'émission n'a pas été tente avec lui, donc c'est normal qu'il soit affecté, c'est normal. Par contre, c'est comme vous ici, j'imagine que vous donnez un avis très partial, vous ne vous dites pas que vous avez le monopole du savoir et que vous avez le monopole du bon sens. Nous, c'est une conversation comme ça. Il y a quelques spécialistes comme Thierry Moreau, d'autres qui sont vraiment dans les médias, mais sinon, moi, je donne mon avis, mais j'ai pas l'impression d'être un spécialiste, et surtout, c'est un avis. Sauf que derrière, vous savez qu'il y a un impact. Oui, mais c'est ça qui est hallucinant. C'est que d'un seul coup. Et c'est relayé par les réseaux sociaux. Oui, mais qu'en plus, vous le cherchez. C'est-à-dire, vous cherchez le clash, vous cherchez le buzz, vous cherchez l'adjectif qui fait mal ou la personnalité, en vous disant, celle-là, on va se la mettre dans la ligne de mire, et on va se faire plaisir, là, quoi. Non, ça va y aller, et ça va faire parler pendant moins une semaine. Très franchement, non. Dans le sens où on dit des choses, et après, on s'est aperçu que c'était une caisse de résonance incroyable. Mais c'est vrai qu'on parle comme les gens parlent devant leur télé. Et c'est pour ça que les gens s'y retrouvent aussi. C'est que d'un seul coup, ils disent, oui, ça peut pas être excessif, mais je suis désolé, hein, quand je vais dans ma tête,
famille ou quand je vais chez des potes et qu'on est devant la télé, on est beaucoup plus violents. Est-ce qu'on doit, reproduire justement ce qui se passe en petit comité? Mais oui, mais parce que c'est justement, c'est une émission qui a cassé les codes justement de l'analyse télé. On se positionne pas en tant que professionnel et on sait ce qui est bien ou pas bien. On donne juste un avis, voilà. Après, moi, je suis étonné. Peut-être vous le vivez de cette manière-là. Nous aussi, à la limite, ici, manif. On donne un avis et je vois bien qu'on est interpellé par les auditeurs. Des trucs, Donc on donne un avis, évidemment qu'il est partiel et évidemment qu'on a tort très souvent par rapport à une vérité absolue. Il n'empêche que les gens te disent... Une journée où il n'y a pas une... Tu oses parler de la Corse alors que tu n'as jamais mis les pieds en Corse? Oui, j'en parle effectivement, comme vous le dites, on en parle parce que je donne un avis, et je donne mon avis, c'est pas une vérité absolue, et je ne suis pas en train de dire je détiens la vérité. Mais c'est très peu compréhensible parce que justement, on a habitué les gens à ça, et quand on sait par exemple que des journalistes détiennent 100% du succès d'un bouquin, ou au moins 99% du succès d'un bouquin, ou du succès d'un film, ou tout ça, quand ils étrient un auteur... En donnant leur avis, on dit, parce que ça se prouve, c'est eux qui sont nazes et qui n'ont rien compris au livre, parce que le livre est trop intelligent pour eux, et qui disent ton livre c'est de la merde parce qu'il est illisible, et que le mec en face, à la place d'en vendre 25 000, il va en vendre 350 à sa grand-mère, ça fait quand même un choc. C'est-à-dire quand même qu'il faut prendre conscience de la responsabilité. Oui, je modérerai ça quand même, parce que moi j'ai bossé longtemps, j'ai fait la création de On n'est pas couché, enfin j'ai fait la création, j'ai participé aux deux premières années de On n'est pas couché. C'est vrai qu'il y avait des livres qui étaient étrié et tout, vous savez ce qu'on dit, hein, faites-moi de la mauvaise ou de la bonne pub, et c'est toujours de la pub, et je suis pas aussi, je donnerai pas autant de pouvoir. Je pense qu'il y a des livres qui se vendent alors qu'ils se sont fait défoncer dans des émissions, ça je suis pas d'accord avec vous, des fois vous en parlez, ça et... Oui, mais parfois, est-ce qu'on en parle en les ayant vraiment lus jusqu'au bout? Est-ce que c'est l'assistant qui a fait deux fiches de lecture, vous savez, puis ensuite on se fait plaisir, on étrille le bouquin parce qu'on nous a bien noté le truc, et puis parce qu'on n'aime pas la personne en fait qui l'a écrit, quoi. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends ce que vous voulez dire, mais en même temps, on est sur D8, on est sur la TNT, donc vous imaginez bien que les assistants qui vous préparent des fiches, on n'en a pas. Et puis en plus, connaissant Cyril, l'émission change jusqu'au dernier moment, donc on n'a pas le temps de préparer autant en amont. On reçoit les émissions dont on va parler dans la journée, et puis après tout le monde est sur les replays. Et on vous a reproché de vous moquer des petits, des faibles de la télé-réalité, c'est-à-dire de ceux qui en plus peuvent pas forcément vous répondre, qui n'ont pas le pouvoir ou le réseau derrière pour vous répondre, quoi. Au contraire, je veux dire, ceux qui sont les plus puissants sur les réseaux sociaux, c'est les gens de télé-réalité. Franchement, moi je vois, il y a Mathieu Delormeau qui est rentré dans l'émission, qui a été marqué pendant longtemps télé-réalité. Quand sur le débat sur Mathieu Delormeau, mais je reçois des flots d'insultes comme j'ai jamais eu sur Twitter. Mais bien sûr. Alors que en plus, on s'entend très très bien avec Mathieu. Mais il y a des gens qui prennent les vannes au premier degré et qui sont persuadés qu'on se déteste, alors que pas du tout. Et Mathieu trouve tout à fait son compte dans Touche pas mon poste. Donc, après, on parle aussi à un public qui nous regarde. C'est un public de la déconne. Oui, c'est ça, et puis on. C'est vrai qu'on passe des images amusantes, on passe de la télé-réalité, on passe aussi tellement vrai des images extrêmes. Et puis c'est aussi le public qui nous regarde, c'est des publics jeunes qui sont intéressés par ces sujets-là. Mais je crois qu'on n'a pas idée du manque total d'éducation aux médias de la population. Il y a des tas de gens qui pensent vraiment que le réveillon à la télé, il y a vraiment les stars, les chanteurs et chanteuses qui passent le réveillon en direct à la télé. Enfin, il y a plein de gens qui pensent que tout est en direct, qu'on n'a pas idée du matin. C'est pas bon. Tiens, je vais te le dire, sinon t'aurais été invité. Mais c'est un autre exemple. Enfin, il y a des tas d'émissions aujourd'hui qui peuvent paraître drôles parce qu'en fait l'émission est un best-of en fait des 4-5 heures de tournage remontées, compulsées pour qu'effectivement toutes les vannes soient drôles et que tout le monde s'esclave. Mais très honnêtement, il y a plein de gens qui n'accèdent pas aux médias, qui n'ont pas idée de ça. Mais c'est pour ça qu'avec Cyril, et ça le mérite m'en revient, c'est qu'on a décidé de tout casser. De tout casser les codes, justement d'expliquer les coulisses. Moi je montre les coulisses aussi dans ma rubrique des 4 tiers. Ouais. Et on est en direct et tout ce qui est raté devient un moment de télévision. Voilà. Mais personne n'est épargné, que ce soit les chroniqueurs, vous-même, enfin voilà, tout le monde est logé à la même enseigne, n'en touche pas mon poste. Parce que les gens qui se plaignent, et je comprends qu'ils se plaignent quand d'un seul coup on les étrille, comme vous dites, mais les premiers qui mangent, c'est les chroniqueurs, quoi. Enfin, si vous regardez bien l'émission, on a tous beaucoup d'autodérision. En même temps, vous êtes bien payés pour ça, non, les uns les autres? Bien payés, allez. Jean-Luc, on est dans les GG. Ouais, ouais. Qui a combien un chroniqueur de touche pas mon poste? Mais j'en sais rien, c'est pas des chroniqueurs, vous-même. Je n'ai jamais donné mon salaire sur quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que je trouve ça très populiste, je vais vous dire la vérité. C'est pas populiste? Si, c'est populiste, parce que si vous voulez, déjà, quand on demande aux gens des médias combien ils gagnent, en général, c'est tous des menteurs. Pour être très honnête, moi je vois des chiffres qui... C'est toujours minoré, parce que d'un seul coup,
ils tiennent pas, ils donnent pas ce qu'ils gagnent dans leur société ou n'importe quoi, donc c'est toujours faux. Et puis surtout, moi, à la limite, je veux bien vous donner ça, mais si d'un seul coup on va s'intéresser à tous les intermittents qui... On s'intéresse toujours aux gens quand ils travaillent, et on s'intéresse jamais aux gens quand ils travaillent pas du tout. Ça serait bien d'aller voir aussi des gens qui d'un seul coup ont un revers de fortune ou qui sont moins dans les émissions, et d'un seul coup, on s'en fout complètement quand d'un seul coup ils sont dans la dèche, parce que c'est des métiers quand même très très précaires, il faut bien le dire. Donc c'est trop facile d'un seul coup d'aller vers... C'est pas accusatoire, ni inquisitoire hein, non plus, c'est simplement dire Jean-Luc Lemoyne aujourd'hui ça fait... Vous travaillez bien, vous êtes dans une émission populaire, vous êtes sur scène, vous gagnez bien votre vie, et je vous demande simplement, voilà, en tant que chroniqueur, quel est le cachet que vous avez dans TPMP. Oui, non, mais ça je l'ai jamais donné, je ne donnerai jamais. Mais vous savez pas que ce soit indécent, que ce soit mal pris, c'est quoi? Parce que je vais vous dire la vérité, c'est que même si je disais que je gagnais 20 euros par émission, ce qui est stupide évidemment, il y aurait toujours quelqu'un, et vous le verrez sur les réseaux sociaux, qui dira 20 euros pour faire ça et puis pour faire de s'amuser. Ouais, s'amuser c'est indécent. Alors que moi j'ai un métier que je subis et que de toute façon, quelle que soit la somme, ça sera toujours indécent. Mais alors regardez, on a parlé de Cyril Hanouna qui vient de signer un contrat de 250 millions d'euros sur 5 ans. Oui, je suis pas dans sa société. Les chiffres sont bons. Ben, c'est les chiffres qu'on a pu lire dans la presse. Et là, on se dit 250 briques, la tonne, sur 5 ans. Là, effectivement, ça peut paraître du délire. Quoi. Alors, j'espère que. Il a intérêt à être drôle. Très sincèrement, je connais pas les chiffres. Je sais pas si c'est les bons chiffres. Après, il faut aussi expliquer que c'est pas 250 millions qui vont tomber dans sa poche. C'est 250 millions pour faire des programmes. Donc, évidemment, que si le chiffre est bon, il y aura de l'argent qui va retomber dans sa poche. Et dans les vôtres aussi, j'espère. Vous serez intéressés les uns les autres, quoi. Pour l'instant, c'est assez stable au niveau des rémunérations depuis le début. Les tickets restaurants, peut-être quand même. Non, mais il faut arrêter de déconner. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas à plaindre, personne n'est à plaindre. Et voilà, c'est juste ça. Nous, on gagne correctement notre vie, même très bien notre vie. Et voilà, moi, j'ai la chance. De faire ce que vous aimez, de très bien en vivre. Exactement, moi ça fait 25 ans que je fais ce métier, les 10 premières années j'étais non imposable. J'ai commencé à être imposable du temps où j'ai commencé à travailler chez Ruquier. Donc je connais un peu la valeur des choses, je sais exactement d'où je viens et je sais que c'est le plus grand luxe, je trouve, aujourd'hui, c'est d'avoir choisi son métier. On va faire le GG tweet avec vous, mon cher. Jean-Luc Lemoyne, c'est-à-dire on va vous soumettre des noms de personnalités ou de faits qui sont dans l'actualité, voir ce que vous en pensez. Allez, Gigi tweet, en commençant par Claire Chazal. Claire Chazal, grande dame de l'information. Après, je trouve que c'est un peu démesuré tout le tapage autour d'elle. C'est-à-dire que on s'est tous émus qu'elle se fasse virer de TF1. Je peux comprendre parce que c'était pas très élégant. Par contre, là, elle va prendre la place de Laurent Goumard sur France 5 et tout le monde s'en fout. Elle s'est fait remplacer par un Claire Coudray, tout le monde était ému, le mec il n'a pas démérité, il faisait une bonne émission, et on le remplace et personne n'en parle. Je crois qu'il y a deux poids deux mesures, ça me dérange. Là elle a le réseau Claire Chazal pour le coup. Bah, pour le coup en tout cas, elle est bien. Elle est quoi? Ah bah tout bon, en tout cas, elle fallait pas prendre le titre. Elle a fait son temps Claire Chazal? Non, ça surtout en... Ah c'est sa grande gueule là. Non c'est pas ça, mais en JT, je vois pas pourquoi d'un seul coup il faut l'expérience pour pouvoir traiter de tout ça. Donc non, elle aurait pu rester, ça choque pas, elle est... Non mais quand je vous dis, tiens, grand, quoi, est-ce que vous avez dit qu'elle retrouve encore une émission, c'est bon quoi. Non, ce que je veux dire c'est que je lui souhaite pas de plus travailler, si sa vie c'est le travail, je peux comprendre ça. Mais par contre, j'étais pas... Ah je serais encore retombé sur les quais de scène. Arrêté au bout de, je sais pas, 3 ans de JT. Vincent Bolloré, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est le patron. Bah, c'est le patron de Canal, de 18. Moi, je l'ai croisé une fois au début d'année. C'est quelqu'un que je connais pas, mais c'est simplement la personnalité média de Quand tu vois un vieux pont tout moche en ferraille, c'est là qu'il faut se prendre à droite. À D8, on est une libre. Alors, je sais pas si c'est Cyril qui nous protège, mais on jouit d'une liberté absolue. Pas de pression, mais zéro. De toute façon, ça se voit, on a... Là, si les gens sont très attentifs au ton de l'émission l'année dernière ou cette année, ça n'a rien changé. Les guignols, j'ai vu le début... je m'attendais à plus corrosif. Laurent Ruquier, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup. Je pense que justement, si j'avais pas rencontré Laurent Ruquier, vous ne me demanderiez pas aujourd'hui combien je gagne. Éric Zemmour. Compliqué.
très compliqué. Moi, je l'ai connu à un moment